Cette remise en situation en temps réel était évidemment intéressante pour que on puisse constater ce qui s'est réellement passé au niveau de la vitesse du TER. Il était autorisé à rouler jusqu'à 95 voire 100 km/h. Donc à 93, il était dans le cadre de la réglementation autorisée pour franchir ce passage. Ils vont bien trouver quelque chose, ce qui s'est passé sur ce passage à niveau. Il n'y a pas. Un car ne s'arrête pas comme ça au milieu d'une voie ferrée, sans, donc, au niveau d'un passage à niveau, sans qu'il y ait quelque chose, ou un problème, ou problème de chauffeur, ou problème de voie ferrée, ou problème de car, voilà. Et, donc il faut qu'on trouve la solution. J'ai essayé de continuer la vie, quoi, parce que c'est arrivé, après il ne faut pas revenir dessus, faut pas retourner en arrière, quoi. Faut avancer. Tu t'es accroché à quelque chose, explique-nous, en fait. Le sport. Ouais. C'est le seul truc qui m'a aidé à peu près à ressortir, quoi. Parce qu'on évacue tout ce qu'on a, tout.